Salut à tous, c'est Captain Mackenzie et on se retrouve aujourd'hui pour la 14e partie et dernière partie du Let's Play sur Bomberman Quest sur Game Boy Color. La dernière fois, donc, on avait fini tout ce qu'on avait à faire sur la planète et il ne nous reste plus qu'à nous en aller, bah voilà, on a soit le choix entre quitter la planète ou rester sur la planète. Il ne nous reste plus rien à faire sur la planète, on quitte. Donc voilà la cinématique de fin, quoi. Dans le cas où on ne bat pas tous les monstres. Moi j'ai battu tous les monstres, mais voilà, si jamais on n'a pas enfermé tous les monstres, enfin, là on a une... C'est la cinématique de fin. C'est-à-dire que là, écran suivant, normalement, voilà. Tout est bien qui finit bien, juste après ça on a The End et le générique. Sauf que là... Voilà, j'ai battu le boss de fin. Et j'ai battu le boss de fin, n'importe quoi. J'ai battu tous les ennemis. Et donc, du coup, ben, on a le boss de fin qui apparaît. Bon, il a une petite classe, mais vite fait, quoi. Bomber Chaos. Bomber Chaos, je ne sais pas. Bon, ça, on va s'en foutre un petit peu, hein. C'est pas comme s'il pouvait y avoir du pot. Donc je vais pas me battre à la pelle. Et voilà, je vais garder les ailes, parce que je me souviens qu'il avait une attaque où, bon, en gros, faut voler, parce qu'elle est inévitable, sinon... Hey, mais t'as baigné dans le feu de ma bombe. Hop. Alors, je me souviens aussi de cette attaque. Faut arrêter vite et mince. Voilà, en gros, l'attaque. Oh, putain, il est joyeux sur les bombes. Voilà, c'est de cette attaque que je parlais aussi. Qu'il fallait voler. Oui. Tu te calmes. Ouais. Ouais. Oh là là. Ah, j'ai réussi à le toucher. Ce qui est pas facile vu que bon bah il évite particulièrement bien mes bombes, hein, pour l'instant. À moins que je les ai particulièrement mal placées, ce qui est possible aussi, hein, remarquez. Aurais-je éventuellement... Merde, quel con. Parler trop vite. Aïe. Oh putain. Je commence à faire de la merde. Aïe. Aïe aïe aïe. Hein? D'où qu'il y avait une bombe qui était placée là? Ok, donc on va prendre un cœur. Oh là là. Faut vraiment faire gaffe à l'emplacement des paillettes. Putain, si tu pouvais attaquer avec des bombes DCA, ce serait tellement bien. Non ! Non, il est... C'est trop tardé. Bon, il ne reste plus que 4 points de vie, il ne reste plus que 3. Aïe aïe aïe. Il est ignoble. Viens me trouver, viens me trouver. Voilà. Et merde. Viens me trouver. Oh là là. C'est moche, c'est très moche. Et c'est perdu. Oh. Bon. C'est pas grave. Bon, on sait à quoi s'attendre. J'ai tout. J'ai bien gardé mon cœur, hein. Ouais. J'ai bien intérêt. On reprend notre bombe. Notre bonne vieille bombe DCA. On requitte la planète. On passe la cinématique. Et on y retourne. Ok, tu commences comme ça, toi. Wow. Ouais.
vraiment faire attention à l'emplacement de ces paillettes là, parce que j'ai arrêté juste à attendre dedans. Parce que bon, il peut très bien les placer au mauvais endroit au mauvais moment, donc bon, on croit les éviter et en fait il les pose sa bombe pile à une intersection entre la trajectoire d'une bombe et nous. Ça peut arriver. Oh là, c'était juste à... Aïe aïe aïe. Là ça va être bon. Oh là. Bien. Allez, viens me trouver. Viens me trouver. Viens me trouver. Oui. 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 Viens me trouver encore. Ah. Ah le monstre. Oh là. Ça m'inspire pas confiance. Allez. Wow. J'ai un peu l'impression de faire corner de quoi. Allez, viens là. Viens là, dans le coin. Dans le... Non, mais... Ok. C'est... Wow. Je m'attendais pas à ce qu'il aille en plein dedans. Bon, là, j'ai posé une bombe qui ne va servir à rien du tout. Voilà. Oh putain, non. Merde. Ouais, ça c'est à prévoir. Vous savez quoi? Je vais utiliser mon cœur maintenant. Bon, plus que 3 points de vie à lui retirer, c'est pas grand chose. Allez. Merde, quel con. Oh, il était pas loin. Allez. Non. Oui, 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 oui. Allez, plus qu'un point de vie. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Il n'y avait pas con non plus. Aïe, aïe, aïe. Hein? Oh putain. Alors là, ça va craindre un max. Oui, non! Sérieusement? Hein? On aurait dit qu'il y avait quelque chose juste après. Enfin, il s'est transformé en boule bleue. J'espère que c'était pas ensuite un autre ennemi. Bon. Et vous y avez cru, hein, que j'allais le battre. Eh ben, moi aussi. Bon. On y go. On y croit. Oh là, ça commence. Ouais, non. Merde. Oh putain, je me fais battre par mes propres bombes, la loose. Oh. Ah non, d'accord. Quand je retombe, j'avais cru trouver une astuce, mais en fait... Je perds pas de points de vie tout de suite. Voilà. Donc je disais, je ne perds pas de points de vie tout de suite. Quand je vole pendant qu'il fait son attaque. Son attaque où il fige. On a l'impression qu'il fige. En fait, quand je retombe au sol, voilà, ça revient. Oh, et j'étais tellement concentré sur le fait que... Ah! Allez, viens me trouver, viens me trouver, viens me trouver. Je suis là, je suis là, je suis là. Ouais. J'ai failli me faire buter quand même. Allez. Un cœur. Ouais, alors non. Juste non.
3 points de vie. J'espère vraiment qu'il n'y a rien après. Putain. Oh putain. Aïe aïe aïe. Putain, les commandants ils sont easy quoi à côté. Aïe aïe aïe. Ouais, donc là je perds espoir honnêtement parce que. Parce que voilà. Encore 2 points de vie à lui retirer, c'est. Alors que moi j'en ai plus qu'un. Et voilà. Bon. Pourquoi moi je peux pas avoir plus de points de vie, sérieusement? Alors par contre ça me fait chier de le faire à chaque fois. Je vais. Voilà, non, merci, c'est bon. Réenregistrer comme ça. Je quitte. Voilà. Voilà. Au moins là on peut les enchaîner les combats contre le boss final. Enfin les essais. Ça c'est bien. Même si il est particulièrement horrible. Oh. T'es passé en plein dans mes bombes, mec. Respecte-moi. Vas-y, tu passes en plein dans mes bombes, là. Voilà. Tu vas te calmer, mon grand. Je suis derrière. Oh, putain. Hop. Espérons que ce soit assez. Yes. Là. Bien. Ça c'était bien. Ouais, ça c'est moins bien. Oh putain. Hey. Voilà. Putain, mais c'est quoi cette orgie de bombes? Sérieusement. Merde. J'avais pas fait gaffe à la bombe qui avait explosé juste au bout de moi. Oh. Wow. Mars peut faire arrêter des explosions de bombes avec mes bombes à moi. Intéressant de savoir ça. Ouais. Hop là. Ouais. Viens là, viens là, oui. Ouais, non. Hop là. Bien. Allez, plus que 4 points de vie. Plus que 3 points de vie. Ouais, là, j'y crois moyennement. Là. Wow. J'aime le risque. Alors, on en est où? Enfin, on en est que... Bon, là, je suis arrivé plutôt bien. Pas trop temporairement, j'espère. À esquiver ses attaques. Simplement, là, ça commence à être un peu l'orgie. En fait, faut pas lésiner sur l'utilisation des ailes, quoi. C'est vraiment le bon atout, quoi. Hop. Hop là, soyons safe. Ok, c'est bon. Il s'est retiré un point de vie. Bon. Bonne nouvelle. Voilà, moins bonne nouvelle. Moi, il va falloir que... j'utilise mon cœur. Bien. Donc là, ça va faire un point de vie de moins pour lui. Il n'y en a plus qu'un. Les gens, il n'y en a plus qu'un. Mais non, approche-toi un peu. Putain.
Ouais. Bah oui, il vole au-dessus des bombes. Oui. Ah non. C'est vraiment moche de faire ça. C'est très 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 laid. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est... Vous auriez mieux fait de laisser gagner le joueur. Ah. Bon. Je trouve qu'il a même l'air un peu moins galère. Ah, il a l'air moins galère. Ouais. Bon, je vais retirer 2 points de vie, il lui en reste 8. 7. Allez. C'est quoi cette logique où c'est la première transformation du boss qui est la plus dure? À moins qu'il y ait une troisième transformation, mais j'espère pas quand même. Oh là là. Il y a quand même des problèmes de ramage quand même, hein. Oh putain. Ouais. Ouh. C'est intense. Marc, c'est pas si mal que ça rame, hein, parce que ça permet vraiment de prendre un peu son temps pour gérer les attaques du boss. Aïe, je pensais que peut-être qu'il pourrait s'approcher, mais non. Hop, voilà. On a le même nombre de points de vie, ce qui ne me plaît pas. Tu vas te calmer. Hein? Non mais tu vas vraiment te calmer, mec. Wow. Ok. Ça va le faire, ça va le faire. Hop. Reste là, reste là. Reste là, non. Putain, c'est con, je l'avais quand même pas trop mal géré. Ah, bien ça. Et là, ouais, je commençais à ramer un petit peu. Dès que les bombes explosent, de toute manière, c'est la mort, quoi. Alors. Wow, wow, wow. Ouais, donc, non, là, c'est inutile. Là, c'est pas très utile. Allez, t'es dedans. Vas-y, vole. Oui. Plus que 2, plus que 2, plus que 2. Et... Voilà. Non, non, reste là. C'était très bien. Oh, il est allé dedans. Il a vu l'explosion, il est allé dedans. Allez. Avance, avance. Oui, yes! Yes, yes, yes. Pardon. J'ai failli perdre mon sang-froid. Ah, à l'issue d'une bataille épique. Ouais, c'est pas comme ça que j'appellerais ça, mais bon, c'était dur. voilà. Sa mission achevée, notre héros repart aussitôt vers sa planète avec tous les monstres. Point d'exclamation! Gloire! Ah, et ça, je crois que c'était aussi dans la cinématique de fin, dans la cinématique de fin sans monstres, sans tous les monstres. Wow. Ouf. So intense. Bon, bah voilà, bah écoutez, comme de coutume, on va profiter du générique. Donc, pour déjà vous remercier si jamais vous avez regardé cette vidéo, si jamais vous avez regardé potentiellement le let's play entier.
j'aimerais bien vous remercier aussi si vous avez regardé une autre vidéo, mais du coup vous n'allez pas. Bref. Voilà. Des remerciements, bah tiens, par. Il y a des remerciements ici aussi, donc ça va bien avec. Donc voilà, bon bah pour les impressions sur ce jeu, bon c'est un jeu Bomberman qui se veut un peu Zelda-like, sauf que bon bah on n'est clairement pas sur le niveau d'un Zelda malheureusement. Alors que dire de plus, bah malheureusement le jeu, bon je l'ai fait parce que bah c'était un des jeux sur lequel j'avais pas mal trippé quand même quand j'étais gosse, parce que bah, y avait un mode multijoueur dans ce jeu, je crois, avec des différents Bomberman qui avaient plus ou moins la classe. Et bon, bah, du coup, j'avais pas mal trippé dessus, mais malheureusement, le jeu n'est pas non plus aussi bon que peut l'être un Bomberman par exemple. Bah voilà, bah, le générique a été plutôt court, n'empêche. Voilà, donc c'est dommage, mais bon. Je suis quand même content d'avoir enfin terminé ce jeu, parce que faut savoir quand même que non seulement j'avais jamais battu le boss 2, j'ai prêté à un ami de l'époque qui me l'a rendu, il avait battu tous les monstres sauf un, donc du coup je me suis retrouvé face au boss de fin qui était beaucoup trop fort pour moi du coup, parce que déjà je connaissais pas les armes, parce qu'il avait tout récupéré sans moi, et que bah du coup je savais pas trop quelle arme utiliser, si jamais il y avait quelque chose qui me permettait de sauter, de voler, je sais pas. Enfin bref. Je voulais en venir où? Probablement nulle part en fait. Donc oui, si, bah du coup, j'ai jamais battu le boss de fin non plus, et donc du coup j'ai pu faire avec vous la partie que je connaissais déjà, la partie. Au moins la moitié du jeu que je ne connaissais pas, et ensuite ben ce boss de fin que j'ai déjà affronté mais jamais battu jusqu'ici. Donc voilà, un jeu terminé de plus à mon actif, je suis content. Bah écoutez, on va se laisser là, hein. De toute façon il n'y a plus grand chose à faire non plus. Oh, c'était ça le mode bataille, le mode multijoueur, je sais pas si, ouais non. Bah voilà. Du coup, bah à la prochaine fois pour un nouveau let's play cette fois-ci. Mercredi prochain donc pour un nouveau let's play Game Boy Color. En attendant, bah, je vous dis portez-vous bien. Manquez pas le prochain let's play du coup. Ciao.